ajoutés accueillis par des milliers de Birmans en tenue traditionnelle, le pape François est arrivé lundi à Rangoon pour une visite délicate, qui débute avec une rencontre avec le puissant chef de l'armée, accusé de mener une épuration ethnique contre la minorité musulmane des Rohingyas. Le général Maungit Chelling doit rencontrer le pape à Rangoon en fin de journée, un ajout de dernière minute qui permet au chef de l'armée de se positionner en interlocuteur de premier plan, en devançant la rencontre mardi avec le gouvernement du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Drapeau birman et du Vatican ou chapelet à la main. De nombreux catholiques, venus des quatre coins de la Birmanie, avaient fait le déplacement pour apercevoir le souverain pontife. Rai vu le pape, je suis tellement heureuse que j'en ai pleuré, s'enflamme Christina Essain, employée de banque catholique, juste après le passage du convoi. Il a l'air si agréable et doux. Il vient pour la paix, ajoute-t-elle, arborant un t-shirt avec la photo du pape et une phrase, paix et amour. La visite du souverain pontife, âgé de 80 ans, arrive en effet à un moment crucial pour le pays, qui connaît de fortes tensions interreligieuses et se retrouve sous pression internationale depuis 3 mois et le regain de violence dans l'ouest du pays. Environ 620 000 musulmans rohingyas ont fui depuis fin août leur village de El Tarakin pour échapper à une campagne de répression de l'armée, qualifiée d'épuration ethnique par les Nations Unies. Je vous demande de m'accompagner par la prière, afin que ma présence soit pour ces populations un signe de proximité et d'espérance, a lancé le pape dimanche aux 30 000 fidèles réunis place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. Le pape sait que ses déclarations concernant le sort de la minorité seront scrutées à la loupe. D'autant plus qu'il se rendra jeudi au Bangladesh où il doit rencontrer des Rohingyas. Le pape n'a pas hésité à dénoncer à plusieurs reprises ces derniers mois le traitement réservé à ceux qu'il appelle ses frères Rohingyas, au risque de froisser la majorité bouddhiste de Birmanie. L'opinion publique birmane, portée par un nationalisme bouddhiste et largement anti-musulmane, est chauffée à blanc par les remises en cause de la communauté internationale sur la façon dont le gouvernement gère ce conflit. Accusé par les organisations de défense des droits de l'homme d'être le principal responsable de la campagne de répression, le général Maungit Chelling est l'un des hommes les plus puissants du pays. L'aura internationale d'Aung San Suu Kyi a été aussi fortement ternie par son manque d'empathie affichée pour les Rohingyas. La semaine dernière, la Birmanie et le Bangladesh ont annoncé un accord sur un retour des réfugiés Rohingyas, mais le chef de l'armée birmane, qui est à la manœuvre sur le terrain, s'est déjà dit opposé à leur retour en masse. Espoir pour les Rohingyas. Les quelques 700 000 catholiques de Birmanie, un peu plus de 1% des 51 millions d'habitants du pays, qui ont longtemps été discriminés par la junte birmane, espèrent beaucoup de cette visite. Les gens sont venus des quatre coins du pays, même pour le voir seulement quelques minutes, s'enthousiasme sœur Genevieve Mu, qui a fait le déplacement depuis El Tarakin,